m'appelle Hervé Chaufron, je travaille pour une association qui s'appelle Atelier Vidéo et Multimédia, Folimage du Maroni, et mon travail, ça consiste à faire de l'éducation à l'image. C'est plutôt intéressant, c'est assez divertissant, c'est drôle, on fait des Jedi. J'ai déjà participé à la dernière édition qui était en 2019. Non, c'est pas la première fois que je viens. On a dû s'incruster dans des images et après on a fait un combat Jedi et on a vu comment ils incrustaient les Jedi à l'image. On a tout d'abord le fond vert en fait, qui consiste en un grand tissu de couleur vert. Qui est posé sur un cadre en fait. Avec ça, j'ai quelques outils lumière qui me permettent de créer voilà, un éclairage uni pour que ça fonctionne un peu mieux. Et le tout est filmé par un appareil réflexe qui a capté la vidéo et l'envoyé vers mon ordinateur. Et c'est là que je vais traiter en fait l'image, c'est-à-dire toute l'opération qui consiste à retirer la couleur verte va se passer à l'ordinateur. On l'a choisi parce que ça nous intéressait, on voyage sur place. Mmh. On a été à Dubaï, Punta Cana et sur la plage. Ouais. On est à l'aise. Le plage est bon. Une scène d'Harry Potter. Combat entre deux sorciers. J'ai choisi l'atelier AVM qui est un atelier de. On utilise le fond vert comme vous le voyez derrière moi et pour faire des effets spéciaux, cacher des objets ou sinon des personnes ou des choses qu'on ne veut pas voir ou sinon qu'on ne veut pas montrer devant la caméra. C'est un peu plus compliqué quand on ne peut pas s'approcher, toucher ou montrer avec les mains quelque chose. C'est un peu compliqué, mais on trouve des solutions, on s'adapte. Quelque chose d'important à savoir, et en plus c'est un savoir qui comment dire, est de plus en plus facile à appliquer, parce qu'avec les technologies qui se simplifient et deviennent de moins en moins chères, c'est des choses que finalement n'importe qui peut faire avec peu de moyens, donc c'est intéressant. Je suis ici parce que nous sommes dans les ateliers vidéo. Semaine de l'art, pour moi, je pense que c'est une très bonne initiative pour un endroit comme ici, en Guyane, où beaucoup d'artistes ne s'expriment pas assez. C'est palpitant, incroyable. En voyant tous les dessins, les peintures qu'ils ont fait dans le lycée.